qu'il faille faire attention à ne pas tout dire dans la même pièce. Parce qu'il y a des jeunes, il y a des pièces de jeunes auteurs qui me sont soumises. Alors, moi, à un moment donné, je pense qu'il fait tout très jeune, la première. Mais... Hein? Oui, au départ, ben oui, c'est la rare des débutants. La première, oui, la première. Mais ça s'explique, hein? Ça s'explique parce que, premièrement, quand tu le fais, généralement, je dirais 99% des cas, tu n'es pas payé pour le faire. Mm-hmm. Donc, il faut que tu y crois énormément. Tu t'attelles devant ton ordinateur, puis tu dis, là, moi, je me souviens, ma première pièce, des fois, des beaux après-midi de printemps, il commence à faire beau, là, tu sais, au mois de mai, là. Puis, ma blonde, elle dit, bon, vas-tu prendre une marche? Je disais, non, je vais écrire. Là, en me regardant, en me disant, t'es vas-y, continue dans tes rêves, là, de devenir un gars qui écrit, tu sais. Puis, ça fait que ça te prend beaucoup de force d'arriver à dire, là, je le fais, puis je m'attelle à ça, puis tu te dis, là, je le fais, puis ça va peut-être être la dernière fois. Fait que c'est à la fois la première, puis tu te dis, ça va être la dernière fois, fait que là, tu te dis, je vais tout dire. Tu en fais une espèce de testament, puis c'est l'erreur, ça devient une erreur, parce que là, tout d'un coup, on veut tout mettre, on veut tout raconter, notre vie, puis tout notre... Puis là, ça devient trop lourd, trop touffu, trop dense. Je pense que quand on est jeune, aussi, Michel, au début, c'est quand on est des bons auteurs, souvent, il y a des choses qui sont extrêmement vraies et senties. On a beaucoup d'imagination, on l'a toujours après, mais particulièrement quand on est plus jeune, mais on n'a pas encore le sens du public, comme je parlais tantôt. Okay. C'est ce qui fait en sorte qu'on veut trouver pas comme ça. Et avec l'expérience, on devient aussi un spectateur soi-même. Et c'est important de rester un spectateur, même si on fait ce métier-là, parce qu'il faut être capable d'empathie envers le public et de se le figurer, et aussi être capable d'écrire la pièce qu'on aimerait voir comme public. Et ça, quand on a franchi ce cap-là, après, les choses s'équilibrent mieux dans l'écriture, je pense.